Homer. Allez. Fais chier. Homer. Oh. Putain, c'est fou. Le chalutier. Le harangue. Le pilardier. Le langoustier. Sandré aussi là-bas. Oh. Quel bateau ne voit pas son nom à la marchandise qu'il transporte. Le haranguier transporte des harangues. Ça voudrait dire que le langoustier transporte du langouste. Quel bateau ne voit pas son nom à la marchandise. Le pilardier, le pinard. Le pinardier, le langoustier, le langouste, le chalutier. Le chalutier. Ça, c'est un bateau connu, le chalutier. Il transporte quoi? Du sable. Le chalutier transporte du sable. Le chalutier. Est-ce que tu penses que le langoustier, est-ce que le langoustier, ça existe? Pêcher les langoustes. On pêche les langoustes avec n'importe quel bateau, avec une barque. Bon, le haranguier, ça existe. Tout existe. Tout existe. Il n'y a pas de siège. Tout existe. Donc, ça voudrait dire que le langoustier, c'est des langoustes. En haranguier, c'est des harangues. Le chalutier ne doit pas son nom à la marche. Qu'est-ce qu'il... Attends, le haranguier, haranguier et harang. Ça fait l'air dire le chalutier. Et l'anguier, il y a l'angouste. Chalutier, ça veut rien dire. Mais un chalutier, c'est peut-être du sable, t'as raison. C'est peut-être pour faire les digues, tu sais. Bah oui, mais un chalut, c'est quoi un chalut? Maman, un chalut, on passe dans. On partage. Pinardier. Le langoustier. On sait pas ce que c'est qu'un pinardier. Le haranguier, il y a peut-être le haranguier. Le langoustier. Oh là là, tu mets quoi? On met rien sur le langoustier? On met sur le haranguier? Oui, elle a dit que tout existait. À la marchandise, moi, j'en sport. Mais sur le chalutier, des chaluts. C'est quoi le chalut? Mais mec, mais... Le chalutier, c'est pas un chalutier. Ah, tu peux avoir un lingot maintenant? Moi, je sais pas. Oh merde. Ah oui, mais c'est la marchandise. Quel bateau ne doit pas son nom à la marchandise qu'il transporte? Et bien, il transporte pas du pinard, donc c'est le pinardier. Il transporte pas du pinard, le pinardier. C'est vrai, t'as raison. On prend le bonus temps ou pas? Quel bateau ne doit pas son nom à la marchandise? Je pense qu'on s'est emballé sur le chalutier. On s'est emballé sur le chalutier. Non, on en met un peu plus sur le pinardier quand même. D'accord. Mais pas pour le bonus temps. Bonus temps, c'est parti. On peut pas tomber là, mais mec. Peut-être par là. Putain, c'était un piège encore. Non seulement nous avons perdu 90 000 euros, nous avons perdu. Je vais retomber là. Ça, c'est dommage. Alors, le pinardier, eh ben, il transporte du vent. Je vous rapporte.
pourquoi il transporterait pas du vin? Ah non, je savais pas que le bateau pouvait transporter du vin. Ça peut transporter plein de trucs, un bateau. Voilà, le pinardier, c'est du vin. Et le chalutier est un bateau équipé d'un chalut. Le chalut, c'est le filet de pêche en forme d'entonnoir, on appelle un chalutier. La forme du chalut. Vous êtes toujours en possession de 115 000 euros. Merde. Mais plus de bonus temps, ni de lingots. Vous devez encore répondre à cette question. Voici la deuxième question. Il sert à quoi le lingot? Deuxième question et deux pourquoi adresse. Yo, ils ont déjà perdu le lingot. Oh, alors, adresse du monde, c'est quoi les bonnes adresses? Pas du tout. Adresse du monde. C'est la géographie. Les plus connus dans quel pays? Les adresses connues, les endroits connus du monde. Les endroits connus. En train, moi je prends jamais le train. En train, moi non plus, je prends jamais le train. La vitesse du train, le TGV. TGV ou la 300 km. Adresse du monde, on prend adresse du monde. On prend adresse du monde. Adresse du monde. Adresse du monde. Quatre possibilités de réponse. Irlande.ie, Portugal.pl. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé là? DE, Pays-Bas.nl. Question. Quelle proposition ne relie pas correctement un pays à son code internet? What? DE, c'est Allemagne, c'est sûr. Island déjà. Ireland. Irlande, on dit. Hein. C'est exactement pareil, sauf que c'est une autre prononciation. Comique, allez, comique.
c'est vraiment des niveaux. Mais... Le nord, c'est mon majeur. Ouais. 270, 180.
360, c'est un tour. Donc là, c'est 180. Donc 0. 180. 180. À l'ouest, complètement 90 à l'ouest. Plus 90, 270. Donc c'est à l'ouest. Attends, on réfléchit. 180. 0. 0. 0. 180. 180. Le sud. T'es sûr que c'est comme ça? Oui. Parce que je retourne comme ça. Et que c'est comme ça. Celle-là, elle m'énerve, celle-là. Là. Non. Au sud. Là, ça fait 180. Plus 90. 180. 90. 270. C'est tout. Ça fait l'ouest. Ça fait l'ouest. Ça fait l'ouest. Ouest. Allez. On arrête le chrono ? Oui. 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 Votre remise est enregistrée. 15 000 euros sur l'ouest. C'est un tout rien. Si ça marche, on passe directement en sixième question. Allez, vous nous dites maintenant. Merde. 15 000 euros. Alors, vous conservez bien sûr vos 15 000 euros et vous accédez directement à la sixième question, sans oublier que 2 000 euros viennent s'ajouter à la valise téléspectateur. Merci Damien de déposer ces 2 000 euros. La cagnotte s'élève maintenant à 12 000 euros. Vous pourrez vous remporter cette cagnotte, partir à vos sort le... Ouais, non plus. Déjà, c'est... Les canailles, là. Moi, je suis choqué parce que je l'ai toujours vu. Les canailles. Question de la U. Elle est très beau. Voici les deux catégories. Les canailles. Escalade. Alors, prince et princesse, c'est Disneyland. Ah, Disneyland. Ah, Disneyland. Prince et princesse, Lady et compagnie. Ah, princesse. Princesse, moi j'aime bien les princesses. Escalade. Escalade. Escalade, j'ai jamais trop fait d'escalade. Toi, t'as fait d'escalade un peu, non? Oui, en effet, mais il y avait un champion là, il y avait un champion d'escalade. Ah ouais, 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 non, non, non. Si c'est les escalades, ou alors les montagnes. Les montagnes, l'altitude, non, l'escalade. Prince et princesse. Plus sur prince et princesse, non? Prince et princesse. Bon, bah, prince et princesse. Prince et princesse. C'est joli. Oui. Quatre possibilités de réponse. Elena, Gabriella, Frédérica et Léonora. Question. Qui est le... Les jumeaux de Charlène et Albert de Monaco se prénomment Jacques et... Alors, non. Alors, c'est pas Gabriella, c'est pas Elena, parce que je m'appelle Elena. Elena, c'est pareil, non. Ouais. Gabriella. Et Léonora. Frédérica, c'est pas Frédérica. T'as sûr ou pas? Frédérica, c'est sûr que c'est pas Frédérica. Est-ce que t'es sûr? J'en suis sûre que ce n'est pas Frédérica, c'est Jacques et une fille. Si tu devais parier à ta fille, tu mettrais la fille. Non, je mettrais... Alors, c'est pas Elena, déjà c'est Elena. Moi, je mettrais Gabriella. Et moi, Léonora, on fait quoi? Léonora. Jacques et Gabriella. Moi, pour moi, c'est... Là, Gabriella. La fois que t'allais faire... Ah, qui est Ratatouille? C'est notre chat. C'est notre chat. Ah, vous parliez notre chat, d'accord. Ah, voilà. Gabriella, moi, pour moi. Oups, ratatouille. Mais pas vrai. Non, mais hein? Est-ce que t'es sûr?